idée nickel. Alors, parmi les bricoles que j'ai faites ces dernières heures, ces derniers jours, j'ai enfin installé le système de déplacement de la felle d'air. Alors tiens, d'ailleurs, en reparlant de ça, je te fais pas voir les étapes, mais on a mis plein de photos, plein de choses sur Instagram, donc si t'es encore pas sur Insta, va voir. Donc en gros, c'est un système qui est tout simple. Derrière, il y a deux grosses doubles roulettes, et là, il y a une prise pour un timon, et donc ça, j'y prends et je viens y installer dans le truc, et ensuite, bah, ça me fait comme un diable. Ça lève la machine et je peux la déplacer de partout où je veux. Ensuite, je sais pas ce que j'ai glandé, tu sais, je t'en avais déjà parlé, mais tu sais, quand j'ai commandé ces meubles de cuisine, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais des trucs en double, j'avais, enfin bref. Et bon, après vérification, ça vient de moi, je sais pas, j'ai merdé, tu sais, à force de faire 50 trucs à la fois. Donc il me restait des colonnes, il me restait un meuble de trop, et puis tu sais, il y avait ce fameux meuble noir là qui s'était gouré, qui doivent d'ailleurs m'en renvoyer un là. Et du coup, bah je me suis dit, bah tiens, je vais faire des putains de super étagères. Et donc je les ai mises ici, parce que là ça commence à être vachement encombré. Tu t'inquiètes pas, un de ces quatre, je te ferai aussi un workshop tour pour un hors-série. Donc voilà, donc je me suis fait toute une étagère ici, que j'ai fixée, et toute une étagère ici, que j'ai fixé. Au milieu, il y a la fraiseuse, en sachant que la fraiseuse, elle est un tout petit peu trop à gauche, et que du coup, j'ai ma poignée ici qui vient taper dans mon meuble. Alors, c'est pas drama, je peux pas y déplacer comme ça, donc j'attendrai qu'il y ait Seb, un autre pote et tout, et on la fera juste ripper de 2 cm et après ce sera bon. Puis à côté, j'ai mis le noir. Alors, en sachant que le gris anthracite, en sachant que là, c'est pas définitif parce qu'il faut encore que je fasse des plans de travail, j'ai mis tous ces petits meubles sur roulettes. Tu vois, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. J'avais pas envie de laisser les pieds de cuisine normaux. Donc j'avais déjà une poignée de roulettes que j'avais prises chez Foussier. Tu vois, des roulettes freinées comme ça, qui sont carrément bien parce qu'elles sont pas tellement hautes. Elles sont freinées, tu peux les avoir freinées ou pas freinées. Elles sont pas tellement hautes, mais elles tiennent 40 ou 50 kilos la roulette. Donc ça veut dire que là, tu mets 4 roulettes, tu tiens quasi 200 kilos. Donc là, c'est nickel, ça bougera jamais. Entre temps, j'avais monté mon tourret Sidamo, pareil que j'avais dans la cour depuis 3 mois. Et ici, l'emplacement, il est nickel. C'est parfait, il ne tient pas trop de place et tout, ça va vrai bien. Par contre, bah du coup, je peux plus déplier mon chariot. Parce que tu vois, si là, je le dégoupille et que je le pousse, et ben hop, tu vois. Ouah putain, j'avais pas vu, il passe. Oh mais là c'est vraiment, alors là j'ai le cul bordé de nouilles. Oh regarde ça, on dirait que c'est fait pour. Bon là ça passe, j'ai un gros coup de bol. Mais toujours est-il, tiens d'ailleurs je te montre aussi avec un raccord de plomberie ici. Je suis venu le scotcher, mettre du ruban américain pour pouvoir brancher un aspirateur normal. C'est vrai que là quand je vais avoir besoin de déligner mon chêne et tout préparer, bah je vais avoir besoin de toute la longueur. Et même si là je suis content que ça passe, et ben tu vois c'est pas l'idéal. Il me reste 4 roulettes freinées. Que je vais faire tout de suite, je pense que je vais prendre un bout de mélèze. Là j'ai des chutes de mélèze ou de freine. Je vais en couper un bout, je vais mettre des dominos et tout. Je vais fabriquer une petite planche. Et cette planche, je vais venir la mettre à la place de ça là. À moins que je mette la planche à l'intérieur de ce socle. Ouais bon je vais voir. Bon t'as pigé le truc. Le truc c'est de mettre ce tourret sur roulette. Parce que depuis que je mets un peu tout sur roulette, je me rends compte que ça va trop bien. Surtout que là j'ai un super atelier, l'atelier de mes rêves. Mais comme on en a déjà parlé 200 fois, il est pas si grand que ça. Si j'ai le temps, s'il me reste du bois ou quoi que ce soit, je ferai peut-être un bout de plan de travail sur chaque truc. Vu que les joues sont sur les côtés et que ça c'est pris sur les côtés et pas par-dessus, le fait de rajouter un plan de travail, ça va venir répartir un petit peu plus le poids. Et donc ça évitera que, si tu veux, le poids, il vienne forcer vraiment sur les points de fixation, même s'il y a du tourillon et tout. Voilà, et puis comme ça, ce sera un peu plus propre. Donc c'est parti, j'ai envie de dire. Allez, yeah. Et deux. Ça, c'est bon. Main dans la mienne, nanana, together. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'ai fait mon collage en un temps record. J'étais plutôt pas peu fier de moi.
ça a été nickel, je dirais même c'était pas piqué des hannetons. Je fais le deuxième en off et je te reprends. Allez, hier. Yeah. Bon, allez, les bichons, c'est pas tout, mais pendant que ça sèche, on va optimiser le temps. J'ai trouvé une chute de frêne à raboter qui me fera une petite étagère sans prétention, mais bien résistante. J'en profite également pour faire deux petits taquets qui me serviront pour faire reposer ma planche. Ça va être pour moi le moment idéal pour tester pour la première fois le nouveau petit laser d'Ilti qu'ils m'ont envoyé pour pouvoir tester un petit peu leur matos. Une fois mes deux taquets fixés, je fixe ma planche dessus. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas l'Amérique, mais pour faire ce que c'est faire, ça va super bien. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Hop. J'ai mis mes petits taquets, je suis revenu mettre ma petite planche de frêne. J'ai déjà mis mon chargeur Milwaukee, le chargeur 12V Ilti et le chargeur 18V Ilti. Donc là, ça tombe bien, en dessous j'ai trois prises. Pour l'instant, il n'y a rien de branché parce que j'aime pas trop laisser mes chargeurs sous tension quand ils n'ont rien à charger. Donc bon, ça fait le job, c'est nickel et surtout, ça m'aura permis de faire ça pendant que mes plateaux sèchent. Je vais les décoffrer et on va installer tout ça. Allez, yeah! C'est joli, Lolo, c'est joli. Hop là. Ça, je vais te dire, c'est pas prêt de bouger. Certains d'entre vous se disent sûrement... Attends, t'es loin là, bordel. Dieu. Il y en a sûrement plein d'entre vous qui se disent, mais pourquoi tu l'as pas déjà coupé? Pourquoi tu l'as pas coupé avec ta grosse scie à format, etc. Et puis tu l'alignais, et puis là, une fois vissé, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas te faire chier? Bah parce que Ilti, pour tester, m'a pas envoyé que ça. Bien sûr, il y a plein de choses que je vous testerai au fur et à mesure. Mais ils m'ont envoyé aussi une petite scie circulaire à batterie sur rail. Et vu que je suis un peu foufou, eh bien, comme ça, on va pouvoir y essayer. Allez. Bon, la première chose des bichons, c'est qu'ils m'ont foutu un rail ou deux pour tester. J'ai encore pas ouvert. Alors, tu vois, c'est encore dans l'emballage. Oh, des bébés serre-joints, ça, c'est ben une bonne idée, ça. Alors déjà, l'emballage, là, 10 sur 10, sans déconner. Les petits trucs pour y tenir. Pas trop lourd, par contre très large. Alors ensuite, par contre, il y a ça là. Donc la scie, elle a l'air carrément badass. C'est pas une plongeante, c'est une scie circulaire standard qui fait 165, donc ça veut dire qu'elle doit descendre à 55. Un truc comme ça. Je t'en redirai plus, hein, on te fera peut-être une pause café sur Bichon TV. Seb vous fera peut-être une pause café sur Bichon TV. Bon, la qualité, la robustesse, c'est Ilti, donc là, il n'y a rien à dire, c'est nickel, c'est du matos de pro. Par contre, le truc où je suis moins fan, c'est ce patin là, tu sais, qui est livré avec. En gros, tu le mets ou tu le mets pas, mais si tu veux te servir du rail, bah, il me semble que t'es un peu obligé de le mettre. Et là, ce patin qui est un peu en plastoc, sans méchanceté, hein, tu sais, moi, quand je bosse avec des partenaires, libre de dire mon ressenti pour tous les bichons artisans qui auront peut-être des choix à faire. Et autant mon premier ressenti, c'est qu'elle a l'air super classe, super badass, autant moi déjà ce truc en plastoc pour venir adapter sur le rail, à première vue déjà je suis moins fan. Après faudra voir, hein. Bon, par contre ça a l'air d'être nickel de chez nickel. Bon, à tester, je suis pas trop inquiet. Ilti, c'est Ilti, quoi, hein. Tu sais, il y a des marques comme ça, c'est comme Festool, comme Mac, comme... On dira ce qu'on veut, c'est un peu plus cher, tout, mais généralement, c'est ultra solide, ultra résistant. Et je crois que c'est suisse. Bon, bah ma foi, j'ai un peu envie de dire comme un doigt au cul. C'est pareil, cette petite machine, il y en a pas mal de temps en temps qui me repose des questions. J'en suis toujours aussi content, à savoir que par contre c'est une petite machine. C'est pas du tout fait pour défoncer quoi que ce soit, ça. Ça c'est juste fait pour affleurer un petit strat, ou alors pour faire avec ce genre de fraise, tu vois. Ça c'est vraiment du bébé fraise quart de rond. Soit c'est vraiment un tout bébé quart de rond. Et ben là, en forçant pas trop, ça passe. Si tu dois en prendre qu'une, faut pas prendre ça, hein. Faut prendre une plus grosse pour faire plus de choses. Mais par contre, ça
ça va bien pour bricoler ça. Et puis t'imagines, tu vois la taille que ça fait. T'es agenceur, t'es sur le chantier et tout, t'as un petit chanfrein à faire, ça va vraiment bien. Petit truc et astuce, le bois, le fil du bois, il est dans ce sens, d'accord? Donc ça veut dire que quand je vais dans ce sens, je vais à contre-fil. C'est pour ça que quand vous faites ce genre de choses, il faut toujours commencer par usiner en contre-fil. Pourquoi? Parce que ça va éclater au bout. Si ça doit éclater, ça va éclater au bout. Mais on s'en fout, puisqu'ensuite, on va rattaquer d'usiner là, et donc même si ça a éclaté, on va enlever l'éclat. Ensuite, on va redémarrer en contre-fil, ça risque d'éclater là. Et s'il y a un petit éclat, on s'en fout, parce qu'ensuite, on va rusiner ici, et ça va terminer. Ok? Alors, si tu fais dans l'autre sens, eh bien, tu risques de finir avec un éclat. Bon, allez, dernier petit coup de ponçage. Ponçage au 120, tu t'en rappelles, pour rubioter et rubio ou toutes les huiles en règle générale, ça a besoin de pénétrer dans le bois. Si tu ponces trop fin, 160, 180, 200, 240, t'auras un truc qui sera lisse comme un cul de bébé, ça c'est sûr. Mais le souci qu'il va y avoir, c'est que ça va fermer, ça va resserrer très 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 fin les pores et l'huile de protection, le traitement, ne va plus rentrer. Donc, quand on passe une huile, que ce soit rubio ou une autre, on ne descend pas en dessous de 120. Donc là, j'ai fait un petit ponçage à 120, j'ai passé le petit rubio, tu vois ce bidon il a déjà des bornes, ça c'est couleur chêne, donc je vais foutre la bécane dessus et ensuite en off je ferai l'autre. Boys and girls, j'ai fini mes deux petits meubles là, donc je suis bien content, tu vois, ça a quand même pas mal de gueule, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, bah, je voulais attaquer mon touret, donc tu vois que j'ai couché. Et en fait, bah, je suis un peu niqué en parlant poliment, parce que l'astuce que je voulais faire, ça va pas aller. Donc je vais pas avoir d'autre choix que de démonter ça, de virer cette tôle, de la remplacer par un plateau bois, donc ça veut dire qu'il faut que je refasse un plateau bois, et de fixer les roulettes dessous. J'ai essayé plein de techniques, soit ça ne va pas, soit cela ne me convient pas. Et vu que je déteste, mais c'est viscéral, je déteste faire et défaire, et faire du provisoire, parce que on a tellement de choses à faire que si on commence à faire du provisoire, c'est sûr qu'on va faire de la merde et le provisoire va se transformer en... dans 10 ans, il y sera encore. Donc, je veux pas faire de la merde. Donc, ça veut dire qu'il faut que je vire ça, que je mette une... que je fasse un plateau et tout. Mais, dehors, il fait nuit et la maman, elle vient de venir me voir en me disant « À la soupe !» Bon, allez, bonne app et à la prochaine. Pour toi, c'est tout de suite. Allez, tchuss. J'arrive à l'atelier un petit peu tard ce matin. J'ai bricolé un peu au bureau et j'ai pris toutes les cotes pour faire mes plans de travail. Et je t'avouerai que j'ai passé une nuit de merde infernale parce qu'il y avait 80-90 km/h de vent. Et donc, bah, quand t'as une maison comme la nôtre, tu sais, tu penses à l'abri de piscine, même s'il est verrouillé. Tu penses à ton portail provisoire, même s'il est verrouillé. Tu penses à tout le merdier que t'as dans la cour, tous les cartons que t'as dans la benne, les volets qui tapotent. Et puis c'est impossible de dormir quoi. Tu commences à dormir et t'entends des grandes rafales. Et j'ai rien dormi, j'ai dû dormir, je sais pas, 3-4 heures. Voilà, donc je suis fracasse. On va quand même y arriver et il y a encore pas mal de vent. Fait chier cette année, j'ai l'impression, je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que nous on a un vent de débile cette année. Jamais vu autant de vent. Il y en a, je vais pas dire, il y a pas une semaine sans vent. Enfin bon, bref, donc j'ai été prendre toutes les cotes de mes plans de travail, avec bien sûr des surcotes. Et ce que je vais un peu essayer de faire ce matin, parce que cet après-midi, j'ai pas le choix, faut que je sois au bureau, j'ai plein de papiers à faire, plein de préparation de vidéos pour vous et tout. Ce matin, je vais essayer de commencer à débiter un peu de chaîne et puis bah, justement à préparer mes plateaux. Avant, petite tisane. Hein. Donc cool et je te reprends tout de suite. Je vais commencer à faire tous mes prédébits dehors parce que ça va être très très dur sinon de rentrer les grands plateaux dans l'atelier. Au prix du chêne, on va pas faire n'importe quoi et on va essayer de faire le moins de chutes possible. Donc c'est pour ça que j'ai fait tous mes débits. Donc je vais déjà le couper là. Comme ça là-dedans, je pourrais faire, je pense, deux ou trois planches
de 98 pour un petit plan de travail. Ensuite là, je vais pouvoir faire une planche de 256, une ou deux planches. Et on va faire comme ça avec tout le reste. Allez, c'est parti. Bah, regarde ça comme il est beau là. Putain. Bon les bichons, donc j'ai sorti la scie à chaîne, vous la connaissez. Donc c'est une petite scie à chaîne de charpente Festool. Ah putain de vent. Donc cette scie, en fait je m'en sers essentiellement pour faire ce que je vais te montrer là. C'est avec cette scie que je fais quasiment tous mes débits, c'est toutes les fois où tu as vu arriver du bois dans la cour. Et puis je m'en sers aussi quand je fais des petites charpentes, des trucs comme ça, je la trouve vraiment 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 bien. Ma petite femme, on a fini de couper tout ça. Je dois t'avouer que j'étais bien content qu'elle soit là parce que c'est un truc à t'exploser le dos, t'as pas le temps d'y voir. Mais bon, pendant des années, je l'ai fait sans elle, comme les trois quarts des artisans menuisiers bénissent qui sont seuls. Et franchement, je compatis parce que c'est vraiment pas un exercice facile. On y arrive toujours, hein. Sinon, on trouve d'autres solutions. Je vais changer ma lame. Donc ça c'est une lame de finition et je vais mettre une lame de débit, tu vois, qui est comme ça. Donc elle a beaucoup moins de dents, c'est vraiment fait pour du débit massif. J'ai que celle-ci en débit donc je vais pas me plaindre, je suis déjà très content. Puis au prix où ça coûte, tu vois ce que je veux dire. Mais il faudrait une lame de débit peut-être avec 10 dents au lieu de 20 ou 30 quoi. Tu vois, si j'en avais une avec 10 dents, ce serait parfait. D'ailleurs, je vais peut-être y mettre un petit coup de nettoyage vite fait avant. Surtout qu'avant, avec celle-là, j'avais fait beaucoup de mélèzes et tout. Et donc, on voit que les dents, en fait, tu vois, elles sont... c'est nickel, hein, elles sont encore bien tranchantes et tout, j'ai pas besoin de l'affûter. Mais tu vois, elles sont un peu sales, tout est un peu sale. Et ça, ça peut créer du frottement. Enfin, c'est pas génial. C'est comme pour une fraise de défonceuse. De temps en temps, il faut les nettoyer. Alors là, moi, pour la nettoyer, le meilleur produit que j'ai trouvé, c'est le CMT. Tu vois, c'est chez CMT, ils font un petit truc, ça s'appelle Formula 2050. Tu vois, avec Outils des Pros, ils peuvent avoir la gamme CMT où tu te démerdes. J'ai rien à vendre. Et donc, c'est un espèce de pchit qui va venir bouffer toute cette merde. On va laisser agir un peu et tu vas voir la différence avant-après. Si toi, t'es menuisier ébéniste ou si t'as l'habitude à d'autres produits, dis-moi-le. Mais moi, pour l'instant, le meilleur que j'ai trouvé, c'est lui. À un prix raisonnable et tout. Il n'y a pas besoin que ça trempe dedans. Mais tu vois, regarde, je vais te montrer, j'en ai déjà quand même mis pas mal. Hein. Voilà, donc moi, je fais ça sur un vieux bout de mélaminé qui me sert un peu à tout. Ah bah tiens, la benne est là, j'y vais. Bon, les bichons, c'était pas la benne. Il va falloir que j'y retourne dans 2 minutes. C'est intense, hein. On ne débande pas. C'était le colis surprise de Bizline. Je vais pouvoir vous le faire ces jours-là. Donc tiens, regarde, tu vois, regarde comme ça fonctionne bien. Alors après, si ça suffit pas, tu vois, j'en remets une couche. Donc tu vois, tu laisses un peu agir. Et après, bah tu vois, voilà, t'as vu, ça y ramène. Ça enlève toute la merde. Donc là, tu vois, tu prends une vieille brosse à dents pourrie, tu sais, quand tu changes la tienne. Moi, je récupère toujours les vieilles brosses à dents parce que ça peut me servir. Donc tu vois, juste pour te donner un exemple, la différence entre elle et elle. On voit bien que là c'est flagrant, hein. Et bon bah tu vois, moi je nettoie tout, j'enlève toutes les traces de sève brûlée, de bois brûlé, de trucs comme ça, je vire tout ce que je peux. Et après, si ça suffit pas, et ben j'en remets encore un petit coup. Donc tu vois quand même que ça a rien à voir, elle est comme neuve. Voilà, prête à faire du bon boulot. Là, vu la section, je l'ai sortie quasiment au maximum en sachant que celle-ci, elle est un petit peu plus petite que les autres. Parce que là-dessus, je peux monter jusqu'à du 315 et ça doit être une 260 ou un truc comme ça, 250, 260.
J'ai aussi bien réglé mon couteau diviseur, tu vois, pour qu'il soit assez proche de ma lame. Alors pas trop non plus, mais tu vois, là j'ai quoi? J'ai 3-4 mm. Parce que là, je risque d'avoir des risques de resserrement du bois. Donc à ce moment-là, il faut pas forcer, il va falloir que j'enfonce des petits coins si ça m'arrive, pour pouvoir continuer ma coupe. J'ai mis ma butée. Donc ça, tu vois, ça c'est une butée qu'on vient mettre sur le chariot. Parce que vu que là, on va déligner, enlever les écorces et tout, et donc bah tailler des planches dedans. On peut pas tellement, tu vois, servir des guides parallèles ni rien. Donc en fait, on vient mettre le bois de boue en butée. Donc le bois de boue, c'est le bois qui est au bout, hein, comme son nom l'indique. On va venir le caler en butée ici, et donc voilà. Donc voilà, maintenant le but, ça va être de venir rendre ces tranches d'arbres exploitables. Pour ça, il va falloir que j'enlève les écorces, que j'enlève un peu l'aubier. L'aubier, c'est la partie la plus tendre du bois qui est juste derrière l'écorce. Donc tu vois, on imagine que là, avant, il y avait encore un petit peu plus d'écorce, hein. Il a déjà été écorcé. Et on fait ça avec une machine rotative. Je t'avais filmé ça quand le gosse de bois était venu. On avait été visiter une scierie. Donc en fait, ils font ça avec une, comme un espèce de gros rabot à griffes rotatif. Ils font tourner le tronc et le rabot se balade dessus. Et donc tu vois, bah voilà, ça l'écorce, ça enlève l'écorce. Bon, il en reste des fois toujours un petit peu, hein, tu vois. Mais bon, le gros de l'écorce est enlevé. Et donc tout de suite derrière l'écorce, souvent il y a une partie de bois très tendre, qui est souvent plus claire. Et cette partie, ça s'appelle l'aubier. Donc ça, dans la mesure du possible, il faut l'enlever parce que bah il y a un peu moins de résistance que le cœur du chêne. Donc ça fait un petit peu de perte, mais il faut pas vous inquiéter parce que si vous avez un vendeur de bois honnête, quand il vous calcule le cubage, en fait, il enlève les parties fendues, enfin trop pourries, il déduit l'aubier, etc. Par exemple, quelqu'un qui va prendre un vendeur de bois, encore une fois un bon vendeur de bois consciencieux, un professionnel généralement, quand il va mesurer cette planche pour la cuber, il va pas la mesurer comme ça, il va la mesurer comme ça. Et il va dire, bon bah voilà, là il y a 35, tu vois. Parce qu'il sait très bien que tout le reste, bah là ça va partir en bois de chauffage. Voilà, donc je vais me faire des petites bandes. Donc il y aura peut-être des bandes de 10, de 15, de... voilà. Le fait de faire des petites bandes et ensuite de revenir faire des collages, ça va me permettre aussi de casser un petit peu les nervures du bois, parce que le chêne c'est très 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 capricieux. Et donc ça va me permettre de l'assouplir un petit peu et d'éviter qu'il travaille trop dans un deuxième temps et qu'il refende. Là, je vais quand même garder des planches larges parce que je veux quelque chose de qualitatif et parce que je veux quelque chose qui fasse massif. Mais pour vous donner un ordre d'idée, souvent, les trucs à pas cher que vous achetez chez les bricots ou chez les Suédois ou en plan de travail tout près, en chêne, généralement, c'est que des petites lames de 3-4 cm qui sont coupées et recollées. Alors, collées en largeur, mais aussi aboutées en longueur. Pourquoi ? Bah parce que comme ça, ça leur permet d'avoir le moins de pertes possible, d'optimiser le maximum. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas tellement. Parce que je trouve que visuellement, bah du coup, on se retrouve avec un machin qui a plein de... Et moi, j'aime moins. Donc si je peux, au lieu de faire ça, plutôt faire des bandes de 10-15, je vais essayer de répartir, hein, ce sera aléatoire. Il y en aura peut-être une de 10, une de 12, etc. Et après recoller, bah je trouve ça mieux. Encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps de tout passer ce matin, c'est quasiment sûr et certain que non, mais si je peux arriver à en faire 2-3, eh bien ça m'avance. Allez, je vais aller voir le collègue de la benne, et je pense qu'il doit être bientôt prêt à partir, et après on attaque ça. Donc là, typiquement, tu vois ce que je te disais, je suis en train de scier, et le chêne est nerveux, alors pour l'instant, tu vois, c'est toujours un peu galère, parce que ça touche pas de partout et tout, mais c'est pas grave, ça après ce sera fait lors de l'étape de rabotage. Et tu vois, le chêne est nerveux, donc j'ai bien réglé mon guide pour pas que ma lame se coince, mais on voit bien que ici là, il se resserre vachement. Et là, on dirait pas, mais ma lame, elle est presque coincée. Des pièces comme ça, tu pourrais pas les faire avec une petite scie sur table. Il faut vraiment un truc qui a des chevaux, ça c'est en triphasé, ça doit faire 3-4 chevaux. Ça arrache vraiment, et même des fois, tu vois, le bois, c'est tellement solide que ça pourrait presque me la bloquer. Par contre, si toi, t'as envie de faire ça et que t'as pas la thune ou la place ou l'envie d'acheter une machine comme ça et que t'as juste une petite scie sur table, ce que tu peux faire, par contre, c'est acheter une grosse scie circulaire de charpente. Donc soit t'achètes genre une plongeante Festool de 75, l'avantage c'est que là tu peux foutre le rail et tu peux faire toutes tes découpes en y allant coulos. Tu peux mettre aussi une lame de débit sur les machines comme ça. Ou soit sinon tu prends chez Makita, Makita c'est peut-être pas trop cher, mais ou sinon si t'es pro chez Maffel ou machin, et là tu prends une grosse scie circulaire de charpente, ils ont des scies avec des lames qui font 35-40 et tu fais la même chose, tu te feras un petit peu plus chier parce que bien sûr là j'ai le confort de cette machine.
Mais il y a toujours des solutions. J'ai pas toujours eu cette machine. Et avant, c'est ce que je faisais. Je foutais le rail et chut, j'y allais, quitte à faire 2-3 passes, et j'y arrivais. Allez, on finit cette coupe. Là ensuite, tu vois, il faut bien observer quand tu débites. Tu vois, par exemple, là j'ai un nœud et en plus il a bien fendu parce que je suis au cœur de l'arbre dans la largeur. Donc là, si je continue, hop, tu vois, je vois qu'ici il a fendu aussi. Là, il y a un autre nœud, il a fendu, hop, et il a fendu. Bon, on voit bien que tout le reste c'est nickel jusqu'à l'aubier. Donc ça veut dire que là, je vais couper 5 cm de bois, je vais les enlever. Et ça, bah ça c'est foutu, ça c'est pour la cheminée, voilà. Alors après, souvent ce que je fais, c'est que quand je les redébite après à la scie à onglet pour faire du bois de feu, quand je vois que des fois j'ai un bout sain, même si je suis dans le cœur, tu vois, comme par exemple là je pourrais couper ici et là, et ben je vais garder ce carrelet, puisque du coup ça va me faire un carré d'à peu près 5 par 5, je vais le garder et ça je vais pouvoir le recycler avec le tour. Tu vois, ça va me servir par exemple, bah, je sais pas, à faire des manches, tu vois, ça d'ailleurs ça doit même être un manche en chêne ou en frêne, peut-être en chêne. Enfin voilà, donc tu vois, après bah, j'essaye de recycler tout ce que je peux. Ce que je te dis, au prix du bois, faut quand même faire gaffe, mais je suis bien content, ça se présente bien. Allez, je continue. Ça se présente bien. Je me disais, ça aspire plus, mais je crois que l'aspi est plein de chez plein. Allez, je vérifie ça. Bon, c'est bon, la coupe, hein. Nickel. Allez, plus qu'une. Alors là, encore une fois, les marches, on a déjà parlé plein de fois. Il y a des archi-puristes qui vont dire oui, il faut faire les signes d'établissement. C'est vrai. Moi, j'ai tendance à dire on s'en branle tant que vous y retrouvez vos petits et qu'au final, bah, vous arrivez à pas vous mélanger les pinceaux. J'y vais.